Non, je vais y arriver. Oh, yeah. Oh non. Salut, je m'appelle Baonian, j'écoute un peu de K-pop depuis 2-3 ans, mais j'ai vraiment commencé à stan il y a 2 mois. Oui, c'est très récent. Lin m'a entre autres instauré là-dedans, même si en vrai, c'est beaucoup grâce à ce TikTok. Je mets pas juste le son, les vrais vont reconnaître. Bref, Lin est venue pour 3 jours. Et quand on parle de K-pop, quoi de mieux que Paris finalement, cette ville où il y a tout. Aussitôt arrivé, aussitôt parti, on va chercher à manger. Et encore une fois, Paris, il y a tout en fait, c'est juste parfait. Petit magasin de ramen, il y en a à tous les coins de rue, et première fois pour Lin. Bon appétit. Merci. T'as vraiment emporté le prix. C'est bon, mais juste, il y en avait trop et c'est pas facile à manger. Non, nous allons à Châtelet. En tout cas, le temps était avec nous et ça, ça fait plaisir. Que le périple commence. Ok, on se dirige vers le rayon ultime. Et oui. Un peu déçu de ce rayon un peu vide. Bah, rip la Fnac de Châtelet, hein. On se laisse pas abattre. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vais vraiment tout le temps au même endroit. Mais aussi, c'est la régalade, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Baliverne de la Tour Eiffel et compagnie. Nous, ce qu'on aime, c'est les figurines chères et inutiles. Dans son paradis. Chacun ses occupations touristiques. Non, vraiment, c'est trop cool. C'est des figurines trop belles faites par des artistes. Il n'y a pas d'autres magasins en France. Bref, pourquoi je me justifie? C'est juste trop cool. On continue avec une librairie d'occasion, mais qui vend aussi des albums de K-pop. D'occasion, hein. Le thème, tu connais. Et franchement, on a une grave bonne pioche. La trouille du siècle. Ah, vraiment? Le contexte. En fait, j'en ai déjà parlé, je viens tout le temps ici. C'est un magasin qui vend des albums d'occasion. La plupart sont sans photocarde, et là, il y en a un qui est connu, enfin Blackpink, voilà. Même pour ceux qui écoutent pas de K-pop, vous voyez. Ouais, et le fait qu'il soit complet, c'est vraiment une chance. Et il est à combien du coup? 15 euros, putain. En vrai. Moi, j'ai pris, je crois. Oui. L'occasion, les amis. Faites des trucs d'occasion, c'est toi. Maintenant, on va faire une autre Fnac. Est-ce que vous y croyez de la détermination? Aïe aïe aïe. Direction la Fnac de Saint-Lazare, deux Fnac dans la même journée pour un album. Il est pas. Sur le site, c'est marqué, hein, il est publicité mensongère. Bah, toujours. Pète un câble, regardez, un mini CD de merde comme ça, 70 euros. T'y crois ça? Qu'est-ce qu'on fait là? On va à une autre Fnac qui est bien plus loin. Je sais pas si c'est de la détermination ou juste de la folie. On est allé à la Défense. La Défense à l'aide. Oui. Oui, on est allé aussi loin pour ça. Ah, wow. Et écoutez, on est heureux, on n'a pas fait toute cette route pour rien. J'hésite entre le bleu et le vert. Je prends le bleu. Parce que demain, Lin va peut-être acheter le vert. Sûrement, très certainement. Mais dans une autre boutique, enfin bref. Moi, je vais à la Fnac parce que j'ai des points. Cool, on n'est pas venu pour rien. Et en plus, le rayon est très bien garni. Wow. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Petit goûter. Alors d'unboxer. Je crois que j'ai la coquille. Oui, il est trop beau. Oh, c'est celui que tu voulais. Très heureuse d'avoir dépensé 15 euros. Remboursé en bonheur. Exactement. Et maintenant, on rentre chez moi pour ouvrir nos albums. Yeah. Oui. C'était la pire transition. Allez hop. Bonjour. Le retour était horrible. Oui. On était bloqué dans le R. Sorti. Un album de Blackpink d'occasion à 15 euros. Complet. Et un album bien neuf qu'on est allé chercher bien loin. Noisy de Stray Kids. Bon, comme vous voyez, je l'ai déjà un peu ouvert sur Extrait. Je commence. Je vais acheter la version verte demain. Moi j'ai pris la bleue parce que je trouve qu'elle ressemble plus à la DA de la cover et tout. Je regarderai en détail plus tard. Mais waouh. Non, c'est cool, ils sont beaux hein, franchement, putain, ouais. Joyeux. Ces petites photos, on est là. C'est trop beau. Waouh. Ils sont beaux. J'adore les autocollants en plus. OK, alors petit dépliant. Ouais, mais c'est quoi le concept? Mais ça c'est beau hein, regardez. Ouais. Du coup, Noisy, c'est le titre de l'album pour ceux qui n'ont pas suivi. OK, et là waouh. Oh. Attends, attends. Oui, on fait tout un drame. Non, je vais y arriver. Non, c'est bon, c'est la double sac, c'est normal. C'est ah, normal. Okay. Ok, oh, mais Yuji, regarde, il n'y a pas à me montrer du doigt comme ça là. Il est trop cool. Enfin, il est trop cool, ouais. Il est là, tu vois. Là, c'est la psy double ouais. Côté. Youpi. Ok, la verte ou la bleue? Bleu.
Vous avez l'appart? Aïe aïe aïe. 30 minutes en avant, Ben se moque de cette PC dans le RER. Et la bleue. Attends, c'est normal, attends. J'avais acheté un album d'occasion et tout. J'ai eu les deux mêmes. C'est bon pour vous? Non, en vrai, au calme, je les aime tous, tu vois. Non, mais en vrai, ils sont cool. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Très contente, voilà. C'était un bel unboxing, c'est le bordel. Blackpink. Je veux rosé. Vu que c'est de l'occasion, c'est un peu mis. C'est un peu mis en aléatoire. Photobook. Attendez. Oh, waouh! Oh, rosé! C'est gay. C'est des. C'est, lequel, c'est quoi le nom de l'album? Kill This Love. Wow. Elles sont incroyables, c'est vraiment les reines du monde. Elles sont vraiment trop belles. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, oh. Trop mimes. Waouh, des autocollants. Waouh, waouh. Super, super. Jenny. Bah, je pense que c'est tous les membres. Ouais. Voilà. Et bah, c'est magnifique. Un petit papier. Notre photobook. Ça, c'est vraiment, ils aiment trop ça. Dans la K-pop là. Les Laporello. Oh. Rosé. Celle que tu voulais. Yeah! Attends, toi! Ouais! La chaîne, ça. Bao K-pop. Bao K-pop! Mais bientôt, hein. Rien pour les ranger, hein, les bails. Écoutez Noisy. Oui. C'est vraiment bien. Écoutez Ordinary aussi. Écoutez Stray Kids. Voilà. La vraie pro à son classeur. Fin de la première journée. À demain. On est le lendemain. On va à Musica et Teyu. Enfin, plus Teyu. Parce que les connaisseurs savent. Pour ceux qui savent pas, on va encore dans un magasin qui est pas. En tout cas, c'est le but du vlog, hein, vous allez me dire. Évidemment, c'est trompé d'arrêt. Bon, enfin, on l'a loupé. Bon, mais... ouais, tranquille. C'est pas grave, on n'est pas loin. Teyu et Musica, en fait, c'est des magasins qui se trouvent dans un centre commercial dans le 13e, spécialisé dans la K-pop. Vraiment, ils vendent énormément d'objets et d'albums qui sont pas disponibles dans des magasins autres comme la Fnac par exemple. Alors j'ai acheté Christmas Evil et Lynn a acheté son Noisy version vert. On a pris un bubble tea dans le centre commercial et c'est parti pour l'ouverture. C'est toi ? Ouais. Désolée pour le son, on est vraiment dans un lieu public. Lynn elle a eu ça en cadeau mais elle avait déjà les grosses cartes. Du coup elle me les a données, merci. Yeah, yeah. Oh yeah! Bah je l'ai pas. Il est très beau. Trop bien, du coup je réfléchis déjà à Yen. Bon là en fait c'est un carnet avec plus des photos. Là c'est l'album de Noël. La musique est très bien. Oui voilà. C'est vrai que la musique est très bien. C'est l'édition limitée, du coup elle n'est pas du tout limitée car elle est... c'est sorti il y a un an. Deux ans. Deux ans. Donc il est accroché. Ok. Regardez le CD comment il est trop beau. Donc là c'est le photobook comme d'hab. Des petits stickers. Ils sont beaux. Des petits trucs inutiles, ça, c'est, okay. C'est bien marqué son nom ce soir. Petite carte de Noël. J'ai Anne, parce que c'est vraiment marqué de... Oh, il est beau. Oh. Plus Anne, j'aime trop. La carte est trop belle. Oui. Félix. Il est trop beau. Pour le coup, c'est très très bien. Dans le même album que... Bah oui. Oh non. Quoi? J'ai vu les autocollants. J'ai déjà les autocollants. Ah. Je n'ai pas le même. Ah, oh. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ça c'est la grande bannière. Oh mais il est bleu. Yeah. Oh. Yeah. Je voulais vraiment. C'est un peu sous la bannière, je crois. Oui. Yeah. Oh. J'avais bien vu en tout cas. Très mimi. Oh. Enfin. Oui de fou. Parce que faut savoir que Lynn a beaucoup de photocartes parce qu'elle a beaucoup d'albums et tout et elle a que une fois Changbin. J'ai commencé il y a pas longtemps. Il me manque Lino et Ayen. Le CD, j'ai pas montré. C'est le même que Vampire. Et en vert. Oh. Bisous la team. Après, on s'est rappelé qu'en fait, à Teyu, à partir de 40 euros d'achat, on pouvait tourner une roue pour gagner des trucs de précommande gratuitement. Donc à nous deux, on avait 45 euros d'achat, donc on avait pu choisir. Même si Lynn galérait à faire un choix. Alors on est tombé sur une bille bleue, mais ce qu'on voulait, donc du Stray Kids, c'était en rouge, donc il n'y avait pas accès. Alors on a dû regarder parmi des idoles qu'on connaissait moins, voire pas du tout. Alors j'ai laissé les cadeaux à Link parce que moi vraiment à part Stray Kids je connais personne. Elle a choisi deux membres de NCT, je pourrais pas vous redire leur nom. Mais c'est très cool, merci Teyu pour les cadeaux. On a marché un peu par hasard et on est tombé sur une friperie, genre immense. On consomme beaucoup en K-pop,
Mais tout ce qui est habits, etc., nous, c'est que de la seconde main, pour le coup. Donc c'était très cool, on était là, on fouillait. Bon, attends, j'ai déjà des lunettes. Ah, il est 4 euros. C'est Mims. Lui, il est trop mignon. Oh my god, regardez. Le sac ultime. Il y a des ketchup. Ouais, de fou. Après, on est reparti chercher à manger et on a trouvé une adresse. C'était juste, mais waouh, des bento taïwanais, incroyable. C'est vraiment délicieux. Mmh. Vraiment. On a vraiment mangé asiatique tout le séjour, mais on n'a vraiment pas fait exprès. C'était vraiment les adresses qui nous attiraient. Mais de toute façon, la bouffe asiatique, c'est vraiment trop bon. Hein. Waouh. Ça décale à Miniso, une bonne adresse de Material Girl, comme on aime, comme on est. Que des objets mignons, que des trucs trop cool. C'est... Ah là là. Oh là là. Bon, vraiment, je filme que des trucs aléatoires. Mais si vous avez l'occasion, faites un petit tour parce que c'est vraiment chouette. Lynn a acheté un sorte de pied slash miroir pour son téléphone. Très cool. En plus, il est joli. Vous saviez que à Doc Martens, on pouvait dessiner sur des stickers et les coller sur un miroir. Parce que nous, non. C'était marrant. On s'est posé aux Tuileries. C'est oui. Très agréable. Il fait très beau. Ah, vraiment. Voilà. En tout cas, bien ruinée, mais très heureuse. Une journée très cool. Et on n'oublie pas les habitudes de professionnels en rentrant. Et le soir, on s'est posé et on a fait des freebies pour Lollapalooza. Bon, à la fin, on manquait de perles, genre de E, de A, donc on pourrait rien écrire. Mais franchement, c'était très cool et le résultat est rigolo. Et c'est le dernier jour de sortie, avec des cheveux vraiment. On est sorti le midi et on a mangé encore asiatique, oui bon. Et l'après-midi, en fait, on est allé voir au Bon Marché une exposition, un événement, je sais pas trop comment appeler ça, d'une marque. Je n'ai même pas retenu la marque tellement je m'en foutais. Je voulais juste faire l'activité. L'événement, il s'est terminé le 23 avril, donc on était vraiment tout juste. En fait, c'était un aquarium digital. Tu dessinais ton poisson, la dame le scannait. Je vous montre, c'est insane. Il y a plein de modèles différents, tu choisis le tien. Lynn a pris une méduse, j'ai pris un espadon, je crois que c'est ça. Voilà, on les a coloriés, waouh, des artistes. La dame ensuite, elle les a scannés et les poissons sont apparus dans l'eau numériquement avec une petite animation de nage et tout. C'est trop intelligent, c'est fascinant et du coup, bah, on en a fait plein quoi. Bon, ils n'étaient pas toujours réussis, ok ? Mais c'était vraiment très amusant. Bon, petit dernier pour la fin, parce que je pense que la dame en a eu marre qu'on vienne faire scanner 1000 trucs. Mais voilà, c'est super drôle. Il y en a, ils étaient hyper bien faits. Regardez ce Magikarp ou cet Hippocampe avec une chemise. C'est incroyable. Oui, bon, les nôtres, voilà. Petit poisson qui s'est fait manger. Et petite méduse alien, c'est vraiment trop drôle. Il y a une tortue avec la feuille qui vole. Enfin, c'est génial. L'endroit est trop apaisant. Franchement, bonne expérience et petit dessin souvenir en plus, marrant. On est au rayon peluche du Bon Marché. Ça là, 180 euros. Ah, wow. J'ai fait tomber 180 euros là. Oh là 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 là. Vous pensez que c'est combien ? 60. 37. J'abuse. C'est quoi, tu l'as eu à quelle étagère ? Non. Ok, je sais pas, 150 ? Plus. 180 ? 170. 175. Il est pas beau, il est pas beau. Allez Ikea, vous en avez des plus gros, plus beaux. Vraiment. Le temps de rentrer chez moi et faire nos affaires, il était déjà l'heure de prendre le train. Voilà, moi je faisais le montage de cette vidéo pendant que Lynn réfléchissait sûrement au sens de la vie ou alors au prochain Stray Kids Scott qui devait sortir. C'est ainsi que se termine notre séjour et cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Bisous!